Salut à tous et à toutes, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager mon travail à travers les réseaux sociaux et surtout de vous abonner. Bon visionnage à tous et à toutes. Ah, il a tout gagné sur le continent, Cédric Vitu, la ceinture de champion de France, la couronne européenne. Ça, c'est... Oh oui, joli l'uppercut. Et c'est Cédric qui avance finalement, avec un bon travail au corps. Ah, il varie bien pour l'instant, il est très concentré, garde haut, Cédric Vitu, qui va pile vouloir les descendre un petit peu au fil des rounds. Ah oui, l'uppercut. C'est un très joli touché. Voilà, il a été touché, Matano. Technique, oui, attention. C'est pas très joli à dire ça, mais ce sont... C'est Vitu qui insiste dans le coin énormément sur l'uppercut du bras arrière. Oh, mais les deux défaites, subies par Léo. Encore un cochon. L'uppercut aussi. Il saigne, Matano. Et magnifique le retrait du buste. Voilà. Et il m'a demandé. Remets tout de suite après. Bien rester concentré, bien se croire. Ça, c'est radical. Ouais. Tête droite ouverte maintenant. Par l'italien. Ça va provoquer un petit peu de colère. Allez. C'était pas précis, mais la marque. C'est une belle variété de vailles qu'il a entrepris. Et je suis pas dans sa tête. Et on sait en plus que ce sont de redoutables guerriers, les Italiens. Oui, bien fait. Défensivement. Et Sébastien, Jean-Christophe Vitu qui demande à Cédric. De la boxe, nous avions compris. Pied du gauche. Attention au fond. Du droit. En allant saper la résistance en bas. Avec ce crochet du droit. Voilà. Ça va tomber, le chaos va arriver. Allez, on gagne les rounds, mais ils sont pas si larges que ça. Oui. Ils les gagnent. Bien de temps en temps les taureaux, comme Matano, son Cendric, même s'il est touché, il est vaillant, il continue d'avoir attention, il faut vraiment largement remporter les rounds. Exactement, parce que si on a égalité, après c'est une question de jugement, effectivement. Et voilà, il est là, quoi.
coin est beaucoup moins serein que dans les premières reprises. Autant vocal de l'autre côté. Heureusement, Allez Cédric, il a encore été contré par une droite de Matano alors qu'il avait essayé une belle série. Voilà, l'uppercut. Et le travail au corps derrière. Échéance. Il fallait au moins ça hein, quand on voit le combat. Et t'as bien fait son boulot hein, à repartir quoi. Et le point vitu à des infos de l'air côté français pour l'instant. Eh oui, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Dernière seconde, dernière accélération. Pour finir. Voilà, ça marque des points, ça. Allez, Cédric, voilà. On va faire un avantage désormais. J'ai des petites séries, des grands coups larges en sortie de corps à corps. Voilà, c'est lui qui est attractif. Voilà, ne pas laisser Matano le cueillir, par exemple. C'était bien. Ah. Il était malmené. Oh, il reste une poignée de secondes. C'est peut-être ça qui va sauver Matano. Allez, faut en terminer, Cédric. La dernière encore, accélération, encore. Il est KO debout. Il va pas tenir, non. Allez. Oh, il vacille. Il est KO. Là, il y a le temps pour aller chercher une victoire avant la limite. Il tient plus debout. Matano, l'arbitre qui arrête le combat. Victoire avant la limite extraordinaire d'un Cédric Vitu qui nous a fait peur, qui a été malmené par Marcelo Matano. Et qui vient décrocher une extraordinaire victoire avant la limite. Il va réaliser.